le Delta Show. Le Delta Show. Sur Delta FM 90.2. Delta Show sur Delta FM 90.2. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Delta FM 90.2 pour le Delta Show. Aujourd'hui, on se retrouve avec Nino. Bonjour. Et Tristan. Salut à tous. Et avec évidemment Justine et Arthur en régie. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. On aura quelque chose à vous dire en fin d'émission. Et aujourd'hui, on va faire abstraction des chroniques habituelles pour des jeux et de la musique. Vous comprendrez à la fin pourquoi. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Ah, tu peux peut-être annoncer le planning. C'est vrai. Le planange. C'est vrai. On n'oublie pas les bonnes habitudes malgré tout. Donc on commencera par Nino qui nous fera le jeu des expressions. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas eu. Premier jeu qu'on avait fait. C'est vrai. Qui était vachement drôle d'ailleurs. C'était rigolo. Enfin, la partie était drôle. Après, le jeu en lui-même était sérieux, mais... Et ensuite, on a Nino qui nous propose une musique. C'est Lil Darky qui nous interprète The World is Ending. Ensuite, on enchaînera sur le jeu des 5 mots. Jeu qu'on a beaucoup trop fait. Oh oui. Le jeu des 5 mots qui sera suivi par Debincé qui nous interprétera Dans ta ville. Ensuite, pour les jeux, on terminera sur un quiz. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Et là, la musique, Tristan. Plus rien ne m'étonne de Tiken Jafakoli. Waouh, tu le dis avec une simplicité. Je connais sa vie. Ah ouais? Oui, Tiken Jafakoli, oui. Bah oui. Je sais pas, j'ai jamais vu. Je l'ai vu en concert même, près de chez moi. Ah ouais? Ouais. Oui, il y a longtemps? L'année dernière. Ah, d'accord. Et pour terminer... cette émission spéciale, on aura quelque chose à vous dire. La fameuse annonce. Et pour terminer, la dernière musique, ce sera Au jour le jour de Annabelle. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts, les gars, cette fois? Évidemment qu'on est prêts. Oui. Eh bien, on peut lancer le jeu des expressions. Le Delta Show. Bonjour. Pour ce premier jeu, du coup, le jeu des expressions. Il y aura des expressions quand même vachement simples, mais aussi quelques-unes qui seront quand même vachement compliquées, dont une où vous êtes mort, vous ne le trouvez pas en fait. Mais c'est quand même marrant parce que voilà. Ça fait peur ça, pourquoi? Je sais pas, c'est rigolo. Ok, on va voir, d'accord. Ok, vous êtes prêts pour la première expression? Je mets les points même si tu veux. Il fait le petit décompte des points, normalement c'est moi qui le fais. Ah ouais? Ouais. Mais c'est toi qui fais, vas-y. Ça m'invitera du travail. Pardon Tristan, j'ai mis un T à la fin de ton prénom. Tristan. Je viens de voir. Je le fais à chaque fois. Je viens de voir. Tristan. Du coup, on commence avec la première expression qui sera très facile, à savoir poser un lapin. Bah, c'est quand ça tu viens pas à un rendez-vous. Exact. Oui, bah voilà. Et bah voilà, ça fait déjà un point pour vous deux. C'est très simple. Attends, je mets des petites barres. Oui. Des petites barres. Je mets des petites barres. Mais des barres penchées. Okay. Voilà. Deuxième expression. Bon pied, bon œil. Waouh. Oui. Oh non, j'avais oublié la difficulté de ce jeu. Oh. En vrai, c'est trouvable. C'est trouvable parce que j'ai les réponses, mais bon, c'est trouvable. Bah oui, c'est toujours plus simple quand t'as les réponses. Hein. En vrai, si on réfléchit genre longtemps, genre un an, on peut trouver là. Ouais. T'es censé être rassurant là? Non. Ouais. Ah ouais. Non, mais en vrai, ça va. Hein. En plus, c'est connu comme expression. Répète l'expression. Bon pied, bon œil. Ça veut dire. Ah. Attends, c'est qu'une supposition. C'est pas genre on est aussi fort. Enfin, aussi fort physiquement que mentalement. Non. Ouais. Non. C'est pas genre quand t'as de la chance. Ça peut avoir un rapport avec la chance. Putain, il s'en rapproche. Oh.
vous donner une explication, ou vous donner une proposition, ou on peut pas, on n'a pas un petit indice? Un indice. Elle est dure en même temps. C'est la signification de cette expression, ça a rapport avec bon. Avec le mot bon. B-O-N. Ça a rapport bah, avec... c'est pas un peu qu'il y a le mot deux fois dans, ta, dans ton expression, mais... Si, mais juste bon, en fait, tu vois, juste bon, ça peut trouver, ça peut... Être bon. Ça s'en rapproche. C'est quand t'es une honnête personne. Je vous donne la réponse maintenant, on attend un quart d'heure. Bah, vas-y, qui est le plus proche, au pire. Qui est le plus proche, faut bien donner un point. Je dirais que c'est Matisse, hein, mais il est quand même vachement loin. Hein. Et la réponse était en bonne santé. Ah oui. Quoi okay. Mais oui. Bon bah du coup j'ai un point. Oui. Ouais, bon il est pas mérité celui-là. Ah non. Bon, par contre du coup le deuxième, j'avais bien deviné. Avoir un fil à la patte. Oh là là. Avoir un fil à la patte. On doit passer pour des cons incultes. Non, mais celle-ci, elle est compliquée. Je pense pas que beaucoup de gens la disent. Ah, ah bah putain, si l'autre était plus facile... L'autre, c'est bien plus facile par rapport à celle-ci. Attends, répète-la une fois. Avoir un fil à la patte. Waouh. Un fil même pas. À la patte. Un fil à la patte. C'est pas avoir un obstacle ou dans notre vie. Ah, un ça, peu, sent, un ça peu s'en rapproche, ça s'en rapproche. Un peu dans le genre se mettre des bâtons dans les roues. Mais... Ça s'en rapproche, ça s'en rapproche. Ça s'en rapproche fortement. Mettre un obstacle dans sa vie. Mettre un obstacle dans la voiture, puis conduire, puis aller au supermarché. Non, c'est pas du tout ça. Non, ah, c'est pas genre dans le sens où... C'est un peu ce que Tristan a dit, mais mettre un obstacle dans la vie de quelqu'un. Et franchement, vous êtes vraiment proche, hein, mais vous trouvez pas. Hein. Très très proche. Avoir été capable de franchir un obstacle. Non, là tu t'éloignes. Merde. Ah. Oh. Bah, je sais pas, je donne ma langue au chat, moi. Mathis. Je reste sur mon idée avant celle que j'ai donnée juste avant. Qui était un peu genre mettre des bâtons dans les roues. Ouais, bon. La signification, c'est qui n'arrive pas à se détacher d'une relation embarrassante. Mais il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport avec ce qu'on disait. Mais il n'y a aucun rapport du tout. C'est un obstacle, une relation embarrassante. Ouais, mais le rapport, il est tiré par les cheveux, là. Ah bah écoute, t'avais qu'à faire le jeu. Tiens, celui-là, il est pour toi. Oh. On vous rappelle que vous avez toujours l'émission disponible un peu après sur YouTube, sur la chaîne YouTube Delta FM, LP2I, un truc dans le genre. Si vous voulez voir Nino me faire un dos d'honneur. Ouais. Ah là là. Et dernière expression, du coup, qui est celle-ci. Et du coup, il n'y a pas de point pour celui-là. Celui-là, vous pouvez bien, voilà. On peut bien se le carrer, ok, d'accord. Et oh là là. Dernière expression, celle-ci, elle est trouvable. Trouvable de baiser. Allez. Être connu comme le loup blanc. Être très populaire. Bah oui. Il l'a dit en premier. Ouais. Allez, hop point là. Pour lui. Bah, je suis désolé, mon petit Tristan, mais, non, mais... observe par toi-même ce qu'il y a sur ton téléphone dans le comptage des points. Après, t'as eu quand même un point gratuit sur Bon Pied Bon Oeil. Hein. C'est vrai. Franchement, qui... Non, c'était quoi c'était... Bon, bah, on va dire j'ai 2,5 points. Ouais, non, t'as 2 points. T'as 2 points. Hein, ok. T'as 2 points, Tristan. Hein. Ouais, ça change rien, de toute façon. Oui. Ça change rien. Oh, et voilà, y a pas les petites musiques. C'est con. Ah oui, c'est vrai, y a pas la soundboard. Elle est non. Cassée. Bah, du coup, c'est la fin du jeu des expressions, déjà. J'en ai fait 4 petites, quand même. Parce que sinon, ouais, ça allait être très très long. Mais c'est pas grave, on s'amuse bien quand même. Ok, donc, et on se retrouve après cette première interlude musicale qui sera The World Is Ending de Lil Darky. De retour dans le Delta Show après The World Is Ending de Lil Darky. Et place maintenant au jeu des 5 mots. Le Delta Show. Non, c'était pas le volume du casque qu'il fallait baisser. Mais si, c'était ça.
putain, bon, c'est pas grave. Vas-y, Yonati. Bah, moi, j'entends plus rien maintenant, mais c'est pas grave. Donc, pour cette première partie du jeu des 5 mots, c'est Nino qui va sortir. Ah, ok. J'y vais. Du coup, Arthur, tu peux remonter mon casque, s'il te plaît, j'entends plus rien. Ah, merci. Alors, maintenant, il faut réaccéder au bruit. Je sais plus lesquels c'est, par contre. Bon, alors, est-ce que t'es prêt, mon petit Tristan ? Je suis prêt, vas-y. Ok, bah ça marche plus. Attends, parce qu'il y a Arthur qui va peut-être nous sauver. Ah. Ok. Bon bah... Pas de soundboard. Il n'y en a plus. Oh non, il a supprimé la musique de la victoire. Bon, bah, on va faire sans. Hein. C'est pas grave. D'ici là, Arthur, t'as intérêt à nous les retrouver. Hein. Ok. T'es prêt ? Oui. Amour. Cœur. Robe. Vêtements. Ok. Cheveux. Tête. Téléphone. Portable. Et herbe. Gazon. Ok, c'est bon pour moi. Attends, faut retourner chercher Nino, du coup. C'est vrai, oui, que faisons rentrer Nino. Justine n'est pas là, du coup. Alors, oh là là, le truc est loin. Est-ce que tu arrives à accéder au truc ? Fais gaffe, parce que si ça se débranche, il n'y a plus de son, hein. Dis-moi. J'arrête de mourir. D'accord, Nino. Allez, Nino. Allez. Oh. Ils sont simples, les mots ou pas ? Bof. Ah. Alors. Attends, est-ce qu'il marche cette fois ? Ah. Non, toujours pas. Bon. Bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Okay, ben, c'est pas grave, c'est pas grave. Tant pis. Alors, t'es prêt ? Je suis prêt. Amour. Couple. Robe. Vêtements. Et c'est gagné pour Nino dès le deuxième mot. Pour reconstituer la musique. Ok. Est-ce qu'on va avoir Allez. Un meilleur score que un mot en commun ? Cheveux. Coupe. Téléphone. Numérique. Et herbe. Vert. Wesh. Et ben, il aura que un mot en commun. Pour amour, il avait dit cœur. Pour robe, vêtements, du coup. Pour cheveux, il avait dit tête. Pour téléphone, il avait dit portable. Oui. Et pour herbe, plante, gazon. Ah, gazon. Voilà, voilà. D'accord, voilà, oui, voilà. Ça se tient. Bien sûr que ça, ah, se, oui, tient. Ça se tient. Ça se tient large, même. La première manche est remportée. Est-ce que la deuxième le sera ? On le saura. Sûrement. Quand Tristan sera dehors. Sois pas, vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oh, l'expression est pas mal. Oui, je vais. C'est le jeu des expressions, en fait. Ça veut dire quoi ? C'est vrai, c'est vrai. On te l'accorde, Nino. Alors. Bon, bah, on a tout essayé. Hein. Les bruits ne marchent pas. Oh, c'est pas bien grave. Non, mais il n'y a plus la musique de la victoire. Voilà. La porte voulait pas se fermer. J'espère qu'il n'écoute pas la porte. Non, il n'écoute sûrement pas. C'est un homme respectueux. Honnête. On l'espère. Ouais. Est-ce que Nino, tu es prêt ? Évidemment. Pour souris. Rongeur. Oh, j'ai cru que t'allais dire rat. Bah non, c'est pas le même animal. Mot complètement différent. Ongle. Main. Électricité. Fil. Pour crayon. Bois. Et écouteur. Musique. Ouh, bah c'est rapide. Rapido, rapido. Est-ce que Tristan peut re-rentrer ? Tristan est demandé à l'accueil. Le petit Tristan est attendu à l'accueil. La maman du petit Tristan l'attend. Ah, le soundboard vient de s'éteindre. Peut-être. Et Tristan n'est toujours pas là. Est-ce qu'il faut que... J'y vais. Vas-y, Mathis. Mathis va chercher Tristan. En attendant, nous sommes en tête à tête.
pas grand chose à dire, mais sachez que c'est bien. Ah, c'est bon, ils sont de retour. Ah, je viens de me prendre un coup de jus par le micro. Ah, ça fait mal. T'inquiète pas, les mots qu'il y a ici, c'est les mots de la première manche. Ah, ok. Ah, oh oui, c'est vrai. Nagui. Ah. Peut-être que je tourne. Non, j'ai vraiment la pire place. Hein. Est-ce que, Tristan, tu es prêt? C'est parti. Les mots sont compliqués. Ça peut vraiment être très stressant. Ouais, hein. Bah non. Souris. Animal. Ongle. Doigt. Électricité. Électricité. Y a de la triche dans l'air là. Ah, du tout. Voilà. Il est bon, hein. Ah, il est fort. De toute façon, les gens n'ont pas l'image. De toute façon, les gens n'ont pas l'image. Bah, si. Oui, il faut qu'ils aillent chercher l'image. Rendez-vous sur YouTube d'ici 3 jours. Vous aurez évidemment la VAR. On demande. Pour l'instant, on l'a pas, donc le point est gagné. De toute façon, il l'aurait eu sur les prochains. Alors, s'il l'a pas, on le valide. Okay. S'il l'a, on le valide si pas. Si tu l'as pas, on valide pas. Okay. Attends, parce que c'est quoi ce que tu dis? Parce que c'est un mot. Fil électrique. Ah, c'est pas ça, hein. En soi, c'est pas ça. Qui joue sur les mots, c'est marrant. Oui, bah c'est, voilà. Crayon. Papier. Écouteur. Musique. Voilà. Ouh. Merci. Donc, fil, on le valide pas. Ok, bon, bah de toute façon, on s'en fout, on a musique. Comme vous voulez. Oui. Bon, j'ai un point. Ouais, bah comme moi. Eh bien, okay. Les deux parties sont remportées. Bravo. Vous pouvez applaudir pour faire genre, il y a du public. Ouais, il y avait un bouton applause sur la soundboard, mais vu qu'elle c'est vrai pas. Oui, il y avait une applause. Oh, zut. Il y avait plein d'autres sons aussi. Qu'on n'a jamais pu exploiter, mais. Ils étaient très marrants. On vous fera un jour, on vous fera écouter tous les sons qu'il y avait sur ce son de bord. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Vous inquiétez pas, vous y aurez droit. À ma gauche, une mauvaise idée. Enfin, les deux parties du jeu des 5 mots sont closes et on se retrouvera après cette petite interlude musicale de Debincé qui nous interprétera Dans ta ville. Delta Show. De retour dans le Delta Show et on a Arthur qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Du coup, il va faire le quiz avec nous et je vous demanderai de patienter quelques petites minutes. Kipo Quiz n'est pas prêt. Ah, c'est pas mince. Comment s'est passé le BAS pour vous? Ah. Bon, très bien, ça a travaillé dur quoi. Moi, je joue à Minecraft. Oui, je tu travaillais bien. C'est pas vrai, j'ai fait ma formative de maths, c'était très chiant, du coup je me suis arrêté. Oh, quel menteur! Oh, quel menteur! J'ai vu sur Minecraft. Je me suis arrêté, j'ai fait l'exercice 2, puis le début de l'exercice 1 parce que c'était chiant. C'était long et chiant. Toi, Arthur? J'ai pas fait grand chose. J'ai essayé de faire une formative de physique, mais découragé au bout de la première question, j'ai abandonné. Ah oui, aussi j'ai capturé Cobaltium sur Pokémon Noir 2, enfin Blanc 2. Attends, il y a des. C'est bon, Mathis, qui proquisait. Bah, en fait, j'ai une question. Vous voulez quoi comme thème? Il y a animaux, agriculture, langue française, géographie, histoire, science et technologie. Un bon vieux animaux. Sport. Ouais, animaux, c'est pas animaux, mal. Animaux, c'est bien, animaux. C'est classique. Vas-y. Ok, et eh ben on peut lancer. Bah, c'est où? Ah, ouais, je viens jamais en régie, moi. Oh, c'est où? Ah, et eh ben on peut lancer le quiz. Merde. Enfin, un langage fleuri, Mathis, un langage fleuri. Alors, Nino. Oui, c'est moi. Arthur, Tristan. Oui. Oui. Un nouveau petit sondage, puisqu'il faut savoir que ce quiz-là est divisé en plein d'animaux. Donc, on a les cochons, les pangolins, les serpents, les animaux du désert, les ruminants, avec une belle image de vache,
les équidés, les pieuvres, les marsupiaux. Ça va à tout le monde, les animaux du désert. J'ai oublié les premiers. Ça va à tout le monde, les animaux du désert. Oui. Allez, oui, les animaux du désert. Mais il n'y a pas les animaux tout court. Oh, attendez. Je vais regarder les autres quiz parce que là, on choisit entre un seul animal. Mais Jean, t'as dit les animaux du désert. Oh merde, attends, faut les retrouver. Et il est long à la détente. Il y a Barbie sinon. Ça, ça se voit qu'il est présentateur. Préparé. Ah, c'est bon. J'ai les animaux du désert. Ok. Enfin. Voilà. Ah, je remets le bête, ça met un peu plus de vie. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Eh oui. Ah oui, la connexion par contre, elle est longue. Hein. J'ai appuyé sur lancer le quiz il y a déjà 20 secondes. T'es beau, Arthur, avec mes lunettes. Vous avez les images sur YouTube, on vous le rappellera jamais c'est assez. La, c'est la troisième fois qu'on te rappelle. Ouais. Mais vaut mieux plus que passer. Oui, c'est ce qu'elle disait. on peut commencer. Oh. Alors, la première question est la suivante. Le coucou terrestre ne vole pas et c'est pourquoi il est appelé Road Runner en anglais, avec un bon vieil accent pourri pour que vous compreniez. Road Runner. Donc road comme la route et runner comme courir. En anglais, il peut atteindre 32 km/h à la course. Moi je dis vrai. C'est un coucou terrestre, ouais, c'est vrai. Vrai. Tout le monde dit vrai. Donc tout le monde dit vrai. Ouais. Vous voulez l'explication? Je vous donnerai la réponse après, évidemment. Bah, donne-nous la réponse avant. Même si le coucou terrestre court sur le sol pour attraper des proies et manger des plantes, il peut voler. Et la principale motivation qui le pousse à s'envoler, échapper aux prédateurs. La réponse est donc faux. Ah oui. Tu aurais pu nous dire faux, tout simplement. Oui, mais j'aime bien vous faire espérer pour rien. Faut qu'il y en ait un qui compte les points. Bah, Tristan. Allez, Tristan, t'as jamais compté les points, c'est à ton tour. Ouais, je vais faire ça. Allez-y, comptez les points. Faudrait que je le mette en boucle, parce que je suis obligé de le redémarrer à chaque fois. Ah, les aléas du direct, c'est magnifique. C'est vrai. Est-ce que Tristan, tu t'en sors avec les points? Ouais, c'est bon. Ah, c'est parfait. Bon, tous parfait. Parfait. La nouvelle question. L'oryctérope du Cap n'a pas beaucoup évolué en 1 million d'années. Qu'est-ce qu'il y a, l'oryctérope du Cap? Putain, je connais le nom, l'oryctérope du Cap. Putain, j'ai oublié. Alors, à quoi ça ressemble? Bah non, du coup, pas le droit de regarder. On regardera après. Ok. L'oryctérope du Cap, je crois que ouais, c'est un animal qui a pas trop évolué. Donc c'est vrai. Je vais mettre faux. Tu m'as volé mon idée. L'oryctérope du Cap. Si, je sais ce que c'est. C'est une espèce de souris. Un genre de rongeur, mais genre de la taille d'une balle de tennis, et genre il creuse dans le sable. Bah moi je vais mettre faux aussi, parce que genre... Oui, par exemple, Nino, tu parlais de... ça. Ah, pas du tout. Ah, pour si, le coup, pas du tout. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment un gros rat avec un gros nez. Bah du coup j'avais confondu... C'est vraiment pas beau, hein. Bah du coup j'avais confondu avec autre chose. Mais oui, du coup moi je dis vrai, et les deux autres disent faux. J'ai vu sa tête, en fait je dis vrai. Bon bah Arthur change. Donc du coup on a deux vrais et un faux. Ouais. Qui a dit vrai, qui a dit faux déjà? Moi et Arthur, on a dit vrai. Ok. Et Tristan faux. Donc comme vous êtes une majorité de vrais, je mets vrai. La réponse est la suivante. Est vrai. L'explication est la suivante. Nickel. Ce mammifère aussi appelé cochon de terre n'a pas beaucoup évolué depuis qu'il a été identifié. Ok. Voilà, voilà. Ok, du coup, un point pour Arthur, mais un point pour Nino. Je savais que je connaissais. Et moi, du coup, je parlais d'une autre souris. Ah, mais en plus, si, l'oryctérope, je vois ce que c'est. Et oui, c'est un genre de tatou. Mais... Non, c'est ça. C'est un cochon. Oui, merci. Question suivante. Oui, question suivante. Allez. Les hyènes ne chassent pas, ce sont des charognards qui mangent les carcasses abandonnées par d'autres prédateurs. C'est vrai. C'est vrai. Bah, ils mangent les carcasses, mais quand même, ils vont les chercher, hein. Oui, mais ils chassent pas. Ouais, ils chassent pas, donc c'est vrai. Donc vous êtes tous vrais. Oui. Ouais. Je vous donne l'explication. Oui. Même si elles ont la réputation d'être des charognards, les hyènes peuvent chasser et tuer
la majorité de leur nourriture j'avais elle-même. Raison, la réponse est donc fausse. Autant dit en erreur, Nino. Bon bah voilà, c'est ça que vous vouliez. Donc personne n'a de points sur cette manche là. C'est triste. La question suivante apparaît, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, oh la belle photo. Le chameau ne peut survivre que quelques jours sans eau. Est-ce vrai ou faux? C'est faux. C'est faux, je crois. Il peut survivre plus longtemps que quelques jours. Parce qu'il a du stock. Regardez dans même ses la photo. Dans non, c'est pas dans ses bosses. Dans c'est dans sa bosse. C'est vraiment drôle. Mais dans sa bosse, il n'y a que de la graisse, non? C'est de la graisse, ouais, et bah qui justement permet de stocker l'eau. Okay. C'est la graisse qui. J'ai toujours cru que c'était une fake news. Ah ouais. Quelques jours. Bah après, ça dépend ce qu'on appelle quelques jours. Ouais, ça dépend. Genre, ouais. Si c'est une semaine ou. Ou deux ans. Trois jours. Ah non. Bah 2 ans, c'est pas quelques jours, Nino. Si, je t'ai dit ça il y a quelques jours. Quelques mois. Pour moi c'est faux. Ouais. Ouais, bah ouais. Donc c'est faux pour tout le monde. Bah non, je vais mettre le contraire des autres, donc vrai. Okay. Donc bah du coup vous êtes une majorité de faux. Ouais. Et la réponse était. En moyenne, un chameau bien nourri peut survivre 7 mois environ, voilà, 250 yes. jours et sans savais, eau. La réponse est donc faux. Voilà. Ok, 2 points pour Nino, 1 point pour Arthur et 1 point pour moi. Ah ouais, t'avais pas de points toi encore? Non. Ouais, c'est bien, je domine. C'est vrai, ouais. C'est ce qu'elle disait. Nino domine. On passe à la question suivante. Les cobras n'ont pas de prédateurs connus. Est-ce vrai ou faux? C'est faux. C'est faux, je dirais. C'est faux. C'est faux. Ouais. Aucun animal n'a pas de prédateur. Si, l'homme. Bah, l'homme a supprimé tous ses prédateurs. Et ouais. Quoi? Le prédateur de l'homme, c'est l'homme. Exactement. Ça fait réfléchir. C'est beau ce qu'il dit, c'est beau. Beau la philosophie. C'est vrai. La philosophie. Donc, quelle est votre réponse finale? Faux. Attends, c'était quoi la question? Ah oui, faux. faux. Juste Nino, il suit des autres. La réponse est faux. Voilà, quand même. Même si le cobra est extrêmement venimeux, il a un prédateur dangereux, la mangouste. Je le savais. Ces carnivores vivent en groupe dans les parties sèches de l'Afrique. La mangouste, putain, comme, c'est quand même nul comme prédateur. Hein. Ça, je le savais grâce à un livre McDo. Let's go! Sixième question de ce quiz. Seulement de 30 à 40 espèces de scorpions peuvent tuer un humain dans leur dard. Est-ce vrai ou faux? Moi, je dis vrai. Hein, parce qu'en vrai, il n'y a pas tant de scorpions mortels que ça. Il y en a qui font mal. Faux, je pense. Il y en a pas mal. Moi, je dis vrai. Moi, vrai aussi. Donc, vrai. Vrai. Et faux. Oui. Parfait. Et donc? La réponse, bien joué Tristan, est vraie. Voilà. Dans le cul. Les scorpions n'ont pas tous suffisamment de venin pour blesser un humain. La plupart d'entre eux n'ont qu'une dose de venin suffisante pour se protéger contre les serpents, les lézards, les oiseaux ou certains petits insectes. Eh oui, Jamy. Eh oui. On pourrait faire une nouvelle émission, c'est pas sorcière. Bah non. C'est... on va se faire attaquer en justice par M6. France 3. Ah, France 3. Bah oui. On connaît tous le générique du début, le logo qui... Ok, ouais. Septième question. En 2005, un médicament pour traiter le diabète a été conçu à l'aide de la salive du monstre de Gila. Ou Gila. Gila. C'est faux. Je crois que c'est faux. C'est faux, je connais pas de monstre. Faux. Alors lui, je vais mettre vrai parce que pour pas faire comme les autres. Donc faux pour Nino, vrai pour Arthur, faux pour Tristan. On part sur une majorité de faux. Je clique donc sur faux. Et c'était ? La salive de ce lézard venimeux du désert contient une protéine semblable à une hormone produite dans le système digestif humain qui aide à contrôler l'insuline et le glucagon. Ouais, dommage. C'est vrai quoi. La réponse. Bien joué les gars. C'est vraiment est vrai. Le monstre Gila, c'est vraiment juste une salamandre avec un skin d'iguane. Hein. Exactement, un avec skin. Une très belle photo sur le site d'ailleurs. C'est... Voilà. Huitième question. Le fennec peut survivre dans le désert grâce à ses immenses oreilles. Est-ce vrai ou bien faux? C'est complètement con, c'est faux. C'est vrai. Vrai.
Ce qu'il entend, les bêtes. Je me prends la karma. Donc pour toi, c'est faux. Pour Arthur, c'est vrai. Pour Tristan, c'est vrai. C'est vrai. En vrai, je dis... Non, je dis faux, je dis faux. Je reste sur faux. J'ai envie de basculer sur vrai, mais je reste sur faux. Est-ce que vous bloquez ces paroles? Oui. Je bloque mes paroles, même si j'ai pas envie. On part sur une majorité de vrai. Ses oreilles servent à évacuer la chaleur de son corps, ce qui lui permet de rester au frais. Il a également un long pelage épais qui l'isole durant les nuits frigides du désert. La réponse est vraie. Dommage, je savais que c'était vrai. Vas-y. Avec cette belle voix journalistique digne de Arte à 23h50. Digne de la... De la... D'accord. Okay. Question suivante. Neuvième question, est-ce qu'on peut avoir un petit récap des points? Ouais. Oui, Arthur mène le jeu avec 5 points. Nino est derrière avec 4 points et je suis dernier avec 3 points. Ah, t'es nul. D'accord. Et ben, peut-être qu'il y en a qui peuvent se rattraper. Oui. Je vais gagner. En deux questions, ça se fait. Avec la neuvième et avant-dernière question. Écoutez bien, elle est compliquée. Les dingos aiment bien rester à la maison. Trois petits points. Ils s'éloignent rarement de leur lieu de naissance. Est-ce vrai ou faux? Savoir que les dingos, c'est pas juste un personnage de Mickey, c'est aussi un chien. Oui, c'est un chien, oui. Et c'est vrai, je pense. Peut-être pour ça qu'il s'appelle dingo, non? Oui, parce que c'est un chien. Non, c'est vrai. On peut pas tous dire vrai, du coup, je vais dire faux. Ok, donc on est sur une majorité de vrai. Et la réponse est... Les dingos restent généralement à proximité des lieux où ils sont nés, quoi, même s'ils peuvent franchir de 10 à 20 km par jour à la recherche de nourriture. Je me fais niquer parce que je suis trop sympa. Ça va de me couper la parole, Nino. Ouais. Allez, ah, bon. Mes oreilles. Pour le moi aussi, j'en ai plus. Excusez-nous. Je vous fais saigner un peu. Je vous fais saigner un peu. Oh, sur le truc d'enregistrement, c'est comme ça et là d'un coup ça fait. C'est super drôle. Enfin. Ma voix qui porte. Pour la dixième. Ça veut dire que j'ai gagné, normalement. Oui, mais on s'en fout, on fait la dixième quand même. Parce en fait, la dixième question n'apparaît pas. Eh ben, c'est Arthur qui a gagné. Attendez, elle va peut-être apparaître. Sinon, il y a une pub, c'est calcule ton pourcentage de chance. Et l'autre, alors les pourcentages, c'est... on a vu ça en maths. C'est où étiez-vous à l'école avec des dates de 1930 à 2000? Tu n'étais pas né personnellement. Vous étiez... Personne n'était né. Vous étiez ici. Où vous en 2000? Ah bah moi j'étais pas né. Trop drôle. Bon bah écoutez, ah elle est apparue. Vous voulez la faire? Dernière question, vas-y. Allez. Environ 70% des selles de l'oreillard d'Ampriche, une chauve-souris du désert, contient des fragments de scorpions. Vrai. On va dire vrai. Vrai, vrai. Bah, ça... des chouettes, oui. Genre, quand on regarde... Non, quand c'est une chauve-souris. C'est une chauve-souris. Ah, les chauves-souris. C'est vraiment une chauve-souris. Donc tout le monde a dit vrai. Je sais qu'avec les chouettes, c'est ça. Moi, je dis vrai. Donc tout le monde a dit vrai, du coup, si je présume. Ouais. La réponse est vraie. Ces mammifères ont la réputation de contrôler les populations d'insectes dans les régions désertiques. Et bravo, Arthur, pour ta victoire. Oui, bien joué. Bien. Bravo Arthur. Tu es très fort. Mince. Pour une fois que c'est pas Tristan qui gagne. J'ai trois souris dans les mains. Et comme d'habitude, c'est moi qui perds. Alors, pour la musique qu'on va écouter, c'est Plus rien ne m'étonne de... Quelqu'un peut dire le nom, s'il vous plaît. Sikandja Fakoly. Voilà, vous l'avez très bien entendu. Et on se dit à tout à l'heure. De retour dans le Delta Show après cette magnifique musique de l'artiste dont je ne citerai pas le nom. Sikandja Fakoly, putain, c'est voilà. C'est pas compliqué. Hein. Mais si, il y a trop de lettres qu'on ne dit pas. Bon, il y en a une. Ouais. Enfin, voilà. Vient le moment fatidique. L'annonce qui fait mal. L'annonce. L'annonce fatidique. Qui dit? Qui commence? Allez-y, les gars. Bon, bah, on a décidé de peut-être, éventuellement, arrêter notre émission saisonnière. Non,
Hebdomadaire. Saisonnière. Ouais. Hebdomadaire. Non, saisonnière, c'est par saison. Oui. Hebdomadaire, parce que c'est une, ça nous prend trop de temps sur notre vie, nous, lycéens. Qui en fait, on aime bien la radio et on n'a pas envie que ça devienne une corvée en la faisant. Ouais. C'est pour ça. Après, rien ne nous empêche de recommencer l'année prochaine. Oui, et puis si on ou arrive... de faire un format plus oui, court. Oui, ou de faire un format ouais, plus court. C'est, ça, c'est donc l'éventualité dans laquelle on allait parler maintenant. C'est soit on arrête la radio au moins pour cette fin d'année et on pourra peut-être reprendre l'année prochaine, soit on arrête tout court. Oui, et puis... Soit on continue, on saura très prochainement, on pourra éventuellement vous communiquer sur notre Instagram oui. Delta Show, je crois. Ça oui, s'appelle c'est ça, comme c'est ça. Ça. Oui, c'est ça. Voilà. Donc on vous en parlera sûrement. Et du coup, ça sera... Donc la troisième éventualité, c'est... Donc on continue, mais avec un format plus court. Plus court. Et plus ce court sera sûrement pas... Ou en changeant les horaires. Plus court et plus éloigné, plus espacé entre les émissions. Ouais, ce sera... Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura plus de Delta Show toutes les semaines, mardi à 17h30 jusqu'à 18h30. Il y aura peut-être un Delta Show toutes les deux semaines. Ouais, ouais. Et ce sera qu'une demi-heure. Après, on gardera sûrement le mardi à cette heure-là. Donc, ça serait... Oui, oui, mais bon. Donc, soit ça serait... on va essayer de voir, mais soit ce sera 17h30 à 18h, soit 18h à 18h30. On verra. Ouais, ouais. On verra ça, mais c'est en tout cas, discussion. Ce qui est sûr, c'est qu'on... c'est que mardi prochain... c'est que... Non, c'est, je vais pas m'avancer là-dessus. Mais c'est qu'il y aura, comme t'as dit, il n'y aura plus jamais d'émission chaque semaine. Voilà. C'est ça mais la grande nouvelle. Ouais. Chaque semaine, non. C'est pas possible. Ça prend trop de temps sur nos pauvres vies de lycéens lambda. C'est vrai. Parce qu'il faut savoir que ça prend du temps, les écritures des chroniques de je pense à Nino et Tristan. Il y a des recherches à faire. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà. Bah, je commence à me lasser de copier Squeezie, quoi. Je rigole. Oh, il lâche tellement de vérité aujourd'hui. Et puis Mathis de copier Go des Crips. Oh. Il y a que non. Tristan normalement qui est clean là-dedans. Bah ouais, moi je réunis vraiment plusieurs sites, je fais mes petites recherches et tout. Aucun c'est copier-coller. L'élève modèle. Mmh. Voilà, avec Nino on tenait à s'excuser puisque. C'est voilà, c'est quoi, tout. Il y a 2-3 oui, personnes qui nous regardent. Non, excusez-vous, excusez-vous. On s'excuse, excusez-vous. Excusez-vous. Nous pardonnerez-vous un jour ce péché que nous avons fait. Ouais, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, amen. Bon, enfin voilà, c'est pas un message d'adieu. C'est pas un adieu pour, c'est pas un adieu pour l'instant. Ouais. C'est juste un au revoir. Si, mec, ouais, c'est le pré-au revoir. <Je l'arrive. rire> Mais en tout cas, c'est si on doit vous dire adieu, dans tous les cas, on va peut-être se réentendre dans le studio d'ici là. Peut-être mardi prochain. Si on arrête, on viendra vite fait. Faire une très courte émission pour comme vous dire au revoir. Comme on vient de faire aujourd'hui, en fait. Ouais, parce que ce qui était prévu, et on a eu beaucoup de... Ce qui était prévu avant, et aujourd'hui, on a beaucoup parlé. Ouais. Et donc, ce qui était prévu, c'était qu'on vous fasse une émission avec des jeux, de la musique, et qu'à la fin, on vous annonce que le Delta Show s'est terminé à jamais. Ah bah alors, c'est pas terminé à jamais, du coup, dans notre cas, là. C'est... Mais oui, mais du coup... Il y a les possibilités. Mais du coup, on en a parlé aujourd'hui, entre nous et avec Justine qui est à la radio. Donc voilà, il y a des éventualités qu'on vous a parlé juste avant. Et voilà. Donc c'est peut-être un dernier au revoir, mais il y en aura un sûrement la semaine prochaine. Ou alors, peut-être. On vous annoncera qu'on continuera. Et on vous donnera en tout cas rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'aventure Delta Show. Ouais. Voilà. Quelqu'un exactement. A quelque chose à rajouter ? Non, je crois qu'on a tout dit, que c'est assez clair. Ouais. Dans tous les cas, on voulait remercier Justine. Elle n'est pas là avec nous. Merci beaucoup, Justine, qui est en réunion. Ouais, pour l'Assemblée Générale de la Radio. Eh oui. Et on n'est même pas là-bas. Eh non, pourtant on est la meilleure émission de la radio, quoi. Je veux pas m'avancer, mais. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. On est les Big Goat, quoi, mais bon. On est les meilleurs. On est les meilleurs. On est les meilleurs, mais peut-être qu'on sera. On n'existera plus. On restera. Gros merci à Justine du coup qui nous a soutenu là-dedans. Ouais. Qui nous a d'ailleurs, c'est elle qui nous a pas forcé mais qui nous a bien vendu la radio en début d'année. Oui bah après c'est nous qui avons décidé d'en commencer une.
Même ouais. Si, ouais, j'avoue que ça devait être deuxième soir à l'internat, on s'est dit, radio, ça nous intéresse. Ouais. Et le lendemain matin, à 9h30, voilà, 10h, non, 9h30, on est venu voir Justine, on a fait, on veut faire une émission. Et c'est là que tout a commencé, dans cette régie où est Arthur actuellement. Qu'on voulait d'ailleurs remercier encore Arthur qui assurait la technique de nos émissions avec Justine. Alors, avec Justine, mais c'est lui qui faisait tout. Hein. Oui. Elle écoutera. Oui. Je place ça là. Bisous Justine. Non mais merci Justine, oui, merci, merci Arthur. On peut remercier Nolan aussi qui était là en début d'année. Mais qui avait des devoirs à faire, du coup il a quitté la radio plus vite que nous. On peut aussi remercier Paul qu'on avait reçu pour la première émission en direct. Ouais, le seul invité d'ailleurs qu'on a vraiment invité. Alors qu'on avait vendu le truc en mode on invitera plein de personnes du lycée. Exactement. On avait prévu d'en faire plein, des micro-trottoirs et tout. Bon, y a des projets qui se font pas. C'est vrai, mais si ça continue, on peut voir pour faire ces projets l'année prochaine. Oui. C'est toujours jouable. Et du coup, surtout, grand merci à nos auditeurs, du coup, même si bon, ils les doivent être fidèles. Même s'ils doivent être deux, ma grand-mère et mon père. Ah non, il y en a quelques-uns de chez ma famille, de ma famille aussi. Ah. Oh, on a peut-être une bonne dizaine. Réunis entre nous, ça fait 5. Ouais. Ouh. Et ben merci à tous nos auditeurs, même si bon, voilà quoi. On a on n'est pas non plus RTL, mais quand même c'est pas la meilleure. Hein. Les grosses têtes. On n'est pas énergie, on n'est pas. Non, c'est vrai. Bah, si on veut être énergie, il faut juste les effets. Les gros effets. Et puis, faut faire le jeu des 5 mots aussi. Ah, bah, ça, j'y suis. Hein. Qu'on avait ça, pompé bon. Aussi. Merci Manu. T'écoutes tous les matins. Au grand désespoir. Non, mais. Puis voilà quoi. Ouais, mais au moins, tu vois, ce qui est bien avec Delta FM, c'est quand on écoute le matin tout le temps, il n'y a pas la radio qui coupe et qui remonte le son d'un coup. Ouais, énergie, il n'y a que énergie qui fait ça en ce moment, c'est chiant. Mais voilà, écoutez Delta FM, au moins ça bug pas. C'est la promo. Il y a d'autres émissions aussi de nos collègues, hein, on connaît pas. Ouais, je crois qu'il y a Aegyptus. C'est Aegyptus. J'ai écouté une fois. Je pourrais pas vous donner les horaires, mais il y a Aegyptus, Delta Sport. Ouais, Delta Sport qui est grosse émission de sport. Hein. Ça fait des années qu'elle est là, celle-là. Hein. Ah ouais, celle-ci, c'est pionnière des émissions. C'est exactement ça. Après, dans les autres émissions. Ouais, bon, voilà quoi. On a eu un petit passage de Delta Anecdote. Delta Anecdote qui était là en début d'année, que Mathis était dans la régie. Mais oh bon, oui. Ça s'est vite arrêté. Bon, les anecdotes inventées, c'était bien 5 minutes, mais bon, 3 émissions de suite, ça allait. Hein. Ouais. Au bout de la 4ème, ils ont fait on en a marre d'inventer. Stop. Stop. Voilà, voilà. Bon, bah, bon. C'était pour vous dire ça. Bon. Exactement, et ben on va se laisser. À plus. Merci à tout le monde, peut-être à la semaine prochaine. Merci Nino, merci Tristan, merci, merci Justine. Merci à vous. Merci Tristan, merci Arthur, Justine. Et on va se laisser sur Annabelle au jour le jour. Bisous. Le Delta Show.